وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteurs d'Allah, nous allons nous arrêter aujourd'hui avec un hadith rapporté par l'imam Muslim, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, où il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute chose est prédestinée, même la paresse et la motivation. » Ce hadith mentionne un des six fondements les plus importants composant la foi et un des six piliers de la foi. Il s'agit de la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, doux ou amer, général ou particulier, passé ou futur. Pour le serviteur, cela consiste à ce qu'il reconnaisse que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala embrasse toutes choses, qu'il connaît les œuvres de ses serviteurs, bonnes ou mauvaises, qu'il est au fait de leurs affaires et des situations qu'ils vivent, et que tout cela a été préalablement inscrit dans les tablettes, dans la tablette gardée Lawh al-Mahfouz, et ceci est corroboré par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset: ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Croire au destin, serviteur d'Allah, signifie également de croire au fait qu'Allah permet aux événements prédestinés de se réaliser en temps et en heure, conformément aux implications de sa sagesse et de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Ces deux attributs qui sont impliqués dans tout ce qui fut et dans tout ce qui sera, selon la sagesse et la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans toute la création et dans toutes les injonctions divines, dans tous ses ordres, ils sont empreints de sagesse et de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. La foi en la prédestination signifie également, en plus de tout ce que nous avons déjà mentionné, et bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit le créateur des serviteurs, de leurs œuvres et de leurs caractéristiques et de leurs attributs, cela signifie qu'il leur a néanmoins accordé une capacité et une volonté. Allah Ta'ala a accordé aux serviteurs une capacité et une volonté par le biais desquelles ils accomplissent leurs œuvres selon leur libre arbitre, sans qu'Allah ne les leur impose ou ne les force à faire quoi que ce soit. Cette capacité et cette volonté sont créées par Allah Subhanahu wa Ta'ala. En effet, Allah étant le créateur absolu des causes, il est par extension le créateur de leurs conséquences. Ainsi, les œuvres et les paroles des serviteurs sont consécutives à la capacité et à la volonté qu'Allah a créée en eux. Tout comme il a créé toutes leurs autres forces, qu'elles soient externes ou internes. En tout état de cause, Allah subhanahu wa ta'ala rend aisés aux créatures les œuvres conformes à leur destinée respective. Ainsi, quiconque oriente son être et son intention vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala sincèrement verra celui-ci lui faire aimer la foi, la lui embellir dans sa poitrine et dans son cœur, lui faire détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, et faire de lui un homme vertueux et bien guidé. C'est ainsi que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accompliront de manière parfaite
et à tous les niveaux pour ce serviteur qui aura orienté son visage, son être, son intention sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, quiconque oriente son être vers autre qu'Allah et préfère ainsi s'allier à Shaytan, son ennemi, ne pourra espérer qu'Allah lui facilite toutes les choses précédemment mentionnées. Bien au contraire, Allah le laissera conclure son alliance avec Shaytan, se détournera de lui et l'abandonnera à son sort, égaré et perdu. Il ne pourra présenter aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah aura mis à sa disposition tous les moyens lui permettant de se guider, mais il aura préféré l'égarement au droit chemin. Il ne pourra donc s'en prendre qu'à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens des versets, « Il guide une partie des hommes, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et pensent qu'ils sont bien guidés. » Donc on voit bien que la cause de leur égarement, c'est qu'ils ont pris les shayatines, les diables en alliés en dehors d'Allah, donc ils ont mérité l'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc dans le sens des versets, par ceci, par le Coran, Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent sa satisfaction, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin rectiligne et droit. Serviteur d'Allah, le destin concerne toutes les situations vécues par le serviteur, de même qu'il englobe ses œuvres et ses caractéristiques, serait-ce la paresse et la motivation, comme on a vu dans le hadith avec lequel on s'est arrêté aujourd'hui, que toute chose est prédestinée, même la paresse et la motivation. Donc serait-ce la paresse et la motivation, qui sont pourtant deux opposés. Par le premier d'entre eux, par la paresse, le serviteur ne récoltera que désarroi et perdition. Par le second, à savoir la motivation, le serviteur parviendra à fournir des efforts continus dans l'adoration du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et la paresse qui est citée ici, ce n'est pas l'incapacité. Bien sûr, Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable. Celui qui n'est incapable physiquement de faire une chose, celui-là n'est pas concerné par cette paresse blâmable. Et c'est le sens que l'on trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, rapporté par le Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Œuvrez, car Allah rendra aisés aux créatures les œuvres conformes à leur destinée respective. Œuvrez, car Allah facilitera à chacun ce pour quoi il a été prédestiné. Celui qui est bon et qui s'oriente vers le bien, et le bien lui a été prédestiné, et le paradis lui a été prédestiné, Allah lui facilitera les œuvres des gens du paradis. Celui qui est mauvais, qui a orienté son être vers Shaytan, qui a pris Shaytan comme allié, dont sa destinée sera l'enfer, et Allah le sait, Allah lui rendra aisé les actes des gens de l'enfer. Quant aux bienheureux, qui sont motivés à l'accomplissement de l'ordre d'Allah, qui s'en retournent à Allah, qui s'orientent complètement avec leur être et leur cœur envers Allah, alors Allah leur rendra aisé l'accomplissement des œuvres, leur assurant une destinée heureuse en raison de leur motivation, mais surtout grâce à l'aide qu'Allah leur a apportée et à sa bienveillance envers eux, subhanah. La motivation et la paresse mentionnées dans le hadith que nous sommes en train de citer et commenter, sont également cités dans un hadith, dans un propos qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est faible, mais dont le sens est juste. La personne motivée et intelligente est celle qui rend des comptes à son âme tout en agissant en vue de l'au-delà. Quant à la personne nonchalante, elle laisse son âme succomber à tous ses désirs tout en nourrissant de vains espoirs dans un hypothétique pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Effectivement, ça, c'est ce que la réalité nous confirme, que la personne motivée et intelligente, elle se demande des comptes tous les jours et elle agit pour ce qu'il y a après la mort. Alors que la personne nonchalante, elle dit plus tard,
elle nourrit de faux espoirs sur Allah. Elle dit Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Ils disent on a une bonne pensée d'Allah. Mais comme a dit Al-Hassan al-Basri, s'ils avaient une bonne pensée d'Allah, ils auraient bien agi, leurs actes auraient été bons. Celui qui a une bonne opinion d'Allah, il fait des bonnes œuvres. Celui qui dit j'ai une bonne opinion d'Allah et qui fait des péchés, il n'a pas une bonne opinion d'Allah, il a une mauvaise opinion d'Allah. Il se repose sur de vains espoirs. Serviteur d'Allah, il nous appartient de bien apprendre ces piliers qui sont les piliers de la foi. Et ce pilier qui est la foi en la prédestinée et de bien le comprendre. Pour avoir le cœur apaisé, pour savoir que toute chose a été écrite, serait-ce même la motivation et la paresse, et être tranquillisé que notre subsistance a été écrite, alors ce qui nous incombe, c'est d'utiliser les bienfaits qu'Allah nous a donnés, cette force, cette intelligence, cette volonté pour lui obéir, car aucun d'entre nous ne sait ce qui lui est écrit. Il n'y a qu'Allah qui sait cela. Par contre, chacun d'entre nous est responsable des actes qu'il commet, sera questionné sur les actes et les paroles qu'il a accomplis et prononcés. Donc c'est sur ceci qu'il faut agir. Ce sur quoi Allah nous a donné une volonté et un choix, et ce sur quoi Allah va nous juger le jour du jugement dernier. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما